Salut les amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le 150 les amis. Il est revenu de réparation et de préparation, il est monté en kit 212 les amis, c'est faux. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne YouTube. À mettre un pouce bleu, à 3000 pouces bleus, on fait la revanche de cette course. Et voilà, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Le 150 est juste ici. On remercie Small MX d'ailleurs, l'été revient, du coup on sort les bécanes. Vous avez 5% sur tous les véhicules et 10% sur toutes les pièces. Toutes les informations sont en description. Les amis, aujourd'hui l'idée du concept, l'idée de guerre, il est tout simplement de faire du chrono avec cette moto. Et on fait en fonction une genre de petite compétition. Je vais vous montrer les challengers les amis. Challenger numéro 1, Lucas, n'hésitez pas, sa chaîne en description. Alors les amis, vous allez voir, chacun est équipé d'une GoPro et d'une GoPro 360. Ça va faire un rendu pépite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça c'est le challenger numéro 1. Challenger numéro 2, Maxime les amis. C'est moi. Alors on pourra pas vous faire de pronostics parce que je vais vous expliquer tout simplement. Il y aura un tour de chauffe, seulement qu'un tour. Et ensuite directement un tour chronométré. Et ensuite on fait un genre de podium et une finale entre les deux. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à me le dire en commentaire. Challenger numéro 3 les amis. Comment on va t'appeler? Esso les amis, Esso ouais. Le Esso, challenger d'accord. Numéro 3 et moi je suis le challenger numéro 4. On perd pas plus de temps, on s'en va directement sur la grille de départ et on va vous montrer un petit peu le circuit vu de haut. On aurait pu le faire au drone, c'est vrai. Allez, c'est parti, bonne vidéo les amis. Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur l'aberrant écran pour vous passer tout simplement une petite Yamaha au quart vertical les amis, qui est le sponsor de cette vidéo. Aujourd'hui on se passe une magnifique merguez les amis, tout simplement une petite 09 qui passe au quart vertical les amis. Je ne savais pas qu'il fallait avoir la tête pliée pour pouvoir lire le compteur de vitesse. Les amis, pour ceux qui connaissent pas quart vertical, ça vous permet de passer votre véhicule, votre moto ou votre voiture grâce au VIN de ce dernier. Vous allez pouvoir vérifier si ce véhicule a été tapé, s'il y a eu des dommages sur le véhicule. Vous allez pouvoir vérifier la certification au niveau du kilométrage lors des contrôles techniques. Vous allez pouvoir aussi voir si le véhicule a été volé ou pas volé, même que ce soit dans un autre pays. On rappelle que car vertical, ça vous permet de détecter des véhicules qui ont eu des activités à l'étranger, comme par exemple 709 qui a été importé des États-Unis pour arriver en France. Et vous allez tout simplement voir si ce véhicule a été trafiqué au niveau du kilométrage, volé ou accidenté. Ça vous permet les amis de vendre votre véhicule plus sereinement ou d'acheter un véhicule plus sereinement. Vous bénéficiez d'une promotion pour un rapport en passant par le lien dans la description ou en entrant le code promo. Les amis, si votre rapport n'est pas complet, vous pouvez demander un remboursement ou un crédit supplémentaire à car vertical, ce qui vous permettra d'être assuré lors de l'achat ou la vente d'un véhicule. Toutes les informations se retrouvent en description. Les amis, on se retrouve en haut directement du circuit pour vous montrer un petit peu le tracé. Alors viens Léo, on va essayer de leur montrer comme on peut, on va essayer de monter là. Vous allez suivre mon doigt et j'espère que vous allez bien voir. Alors on part d'ici. Ici c'est le départ chronométré, on lance le chrono. Voilà, on fait la petite descente comme ça, suivez toujours mon doigt. Là, on part là-bas sur le plus gauche du terrain. Les whoops, virage relevé. On revient là, les whoops, virage relevé. On reprend là, les whoops, virage relevé. Les whoops. Et là on trace, on remonte la côte là-bas. On revient ici et le chrono s'arrête ici. Voilà, on l'avait déjà fait avec la Talaria les amis. Et le chrono franchement j'en avais plus aucune idée. On était sous la barre d'une minute, ça c'est sûr. Donc on verra bien comment on va faire là. Je vais sortir le chrono et on est parti directement pour le premier challenger. Let's go. On va prendre tout simplement le chronomètre. Le chronomètre il est là les amis, on va tout simplement le lancer. Dès qu'il passe la butte, dès que la première roue, la dernière roue, la roue arrière, soit dans la descente. Voilà, on va y aller. Il a les caméras, check up caméra, normalement c'est bon. On verra si ça fonctionne bien. Et quand tu veux, le tour de chauffe. Et là on va directement y aller, t'es prêt? 1, 2, 3, hop c'est bon. Ah, vous allez directement passer avec la vue des GoPro, normalement ça va rentrer. Alors vraiment le premier tour de chauffe pour quelqu'un qui a jamais roulé ici, ça va être dur. Il est déjà à 10 secondes, je ne sais plus du tout combien on avait fait avec la Talaria. Là il va revenir tout simplement ici, vous allez voir. L'avantage c'est qu'il y a de la pluie sur le terrain, il y a de la pluie. Il est déjà à 34 secondes, il va revenir dégueulasse. Oh là là, il a failli nous faire une sacrée chute là. Là il se la donne. On va voir, sur son tour de chauffe, je pense qu'il va tabler sur une. On va arrêter le chrono ici. Oh, il va... 54, 55 secondes et 14 millièmes. 55 secondes, 14 millièmes.
Non, mais je pense 37, c'est impossible. Après, c'était sec ou pas? Ah, 39 ou 49. Parce que je sais plus. 49, je pense. C'est parti, les amis. Deuxième challenger, on y va. Maxime, il faut qu'il démarre. Démarre-nous le bolide. Attends, je crois que j'ai en vitesse. Ouais, avec le coupe-circuit, ça sera mieux. Attends, j'ai jamais fait de moto de ma vie. Moi. Allez, c'est parti. Dès qu'il passe à roue arrière ici, on peut lancer le chrono. Oh là là. Et allez, le plus vite possible. Là, ça va être un peu de... Il va y aller à fond. Il est à 16 secondes déjà. Ah là il perd du temps, là il perd du temps. Ah il est en vitesse. Ah bah alors là il est mort, 25 secondes. Faut pas qu'il fasse ça après. Il n'y a pas d'erreur mécanique possible. Hein. Pourquoi il freine? Je crois qu'il y a du mal avec la boîte. Il est déjà sur 46 secondes. Voilà, franchement, là, il nous a fait une sacrée perf. Hein. T'as fait 55 et lui, là, il est déjà 1 minute 1. Et on va le revenir. Il va arriver ici. Oh là là. Allez, allez. C'est 13 secondes. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? Fais-nous le rendu de la course, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as ressenti, ce tour d'échauffe? Bah, j'ai glissé. T'as glissé? J'ai carré. Ah, mince, malheureusement. C'est embêtant, quoi. Les amis, on change de pilote et on y va directement. Les amis, c'est parti, troisième challenger, on y va. Et on est reparti, on rappelle, premier, il a fait 55 secondes. Deuxième, 1 minute 1, mais il a calé entre deux. Et là, on va voir ce que ça donne. En haut. Ouais, tout en haut. Allez, directement, on y va. Avec les challenger numéro 3. On a calé. Ça a rien à voir. Hein. La petite moto on va casser le cadre. Ok, ça revient directement dans les whoops. 15 secondes. Ah, la honte. Ça, c'est un petit peu chiant avec cette moto. Hein. Faut prendre l'embrayage. Faut tout le temps être dans les tours, c'est un truc de fou. Alors, est-ce que ça va être pire que Maxime? Oh là là. Oh là là. Oh là là. 36 secondes. Non, il s'est pas embêté. Ouais, ça c'est. Alors on est venu à 45-46. Oh. C'est plutôt pas mal, franchement c'est un bon record là. Il y a de la boue partout. Je vais être dégueulasse, t'as vu ton terrain? C'est mort! Bon, c'est parti! C'est bon? On est parti pour mon tour! Oh putain, c'est dégueulasse! On va voir combien je fais. La dernière fois c'était en moto électrique donc ça n'avait rien à voir. Bon, ah ouais, là il y a vraiment pas des bonnes conditions. Ah ouais, c'est vraiment pas des bonnes conditions là. On aurait dû peut-être regarder ça avant. Non!
Non. 58, putain. À 3 secondes. Toi, si t'aurais pas calé, t'aurais fumé du cul. Je crois que c'est un peu de boue, ouais, quand même. Ouais, un peu. Donc 58-36. 58-36. Ça, c'est vrai que c'était pas le meilleur temps, là. Non. Bah si, mais sans la... Ah, je suis dégueulasse. C'est pas grave. Bon, les amis, on va faire le tour final. On y voit directement Lucas, Maxime et moi. C'est Lucas qui part en position, en favori, avec 55 secondes. Et ensuite, on a Maxime. Ah, moi, je suis... Et ensuite, on a moi et on verra qui sera le gagnant. C'est parti, c'est tout de suite. C'est parti les amis, on y va sur les derniers tours. Donc là c'est les tours chrono qui va déterminer la position. Lucas part en favori à 55, moi je suis à 58. Maxime est à 1-0-1. Mais après il avait calé donc on verra. Ouais, 1-0-1. Non, 1-0-13. Ah, une 13. Ah bah. Donc là faut vraiment qu'il y aille. Ouais c'est vrai, tu triches pas. Là on est parti directement. Là c'est le tour chrono mais il y a d'autres concurrents qui se rajoutent à la liste. Filme-le, filme-le un plat. Il revient 15 secondes, 17. Oulolo. Secondes. Les amis, on se reprend quand c'est à mon tour parce que là le terrain est occupé. Alors attention le chrono les amis, on est parti pour le tour chrono de Maxime. Du coup Léo il a fait Lucas il a fait 50 tout pile. Et là on va voir pour Maxime qui avait fait une 13 au départ mais il y avait calé. Vas-y quand tu veux. Attention. On voit. Il y a des spectateurs là, et des... il est chouchou là. Il va. Oh là là, il ralentit. Oh là, il prend les flaques et tout, il s'en fout. Oh. Il s'en fout. Allez! Faut baisser là, il va caler. Il a tout perdu. Là, il a tout perdu son avance là. Allez, allez! Là, faut qu'il fasse plein gaz, là, regardez. 36 secondes, là, faut qu'il fasse plein gaz s'il veut espérer une victoire, là, parce que là, il lui reste encore 10 secondes, c'est mort, c'est mort. Ah, peut-être la deuxième place, parce que faut que je fasse mieux. Là, faut qu'il gaz, là, faut qu'il gaz, là. Allez! Allez, à fond, à fond! À fond! 51,85, tu nous as fait quoi là? T'as tout perdu tes secondes? Eh, hey, tu pouvais faire un temps équivalent ou un meilleur? Je voulais esquiver l'autre, mais je vais déjà donc je vais. C'est parti, je me change et on y va pour mon tour chronométré, les amis. On se retrouve à la fin. Ah, j'ai trempé. C'est parti, dernier candidat. Bon, faut que je batte 50 secondes ou du moins 51,85 si je veux faire deuxième. Ça va être chaud patate, on y va. Allez, là je vais essayer au moins finir deuxième parce que les 50 secondes ça va être chaud avec tout ce qu'il y a ici. Là on perd du temps. Là faut pas perdre de temps. Faut essayer de battre 50 et de parler en même temps, de faire le commentateur. Je sais plus combien j'avais fait la première fois.
deuxième. C'est ce que j'avais dit, deuxième. Oh putain. Mais à noter que je reviens la personne la moins sale de tous les candidats. Ça va. Moi j'ai pas le pantalon mouillé. Bon les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On va se classer en... Le premier vient là. Et le dernier vient là. Oh zut. Ah t'es premier toi. Ouais j'ai gagné. Du coup les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Si vous voulez une revanche, une partie 2. C'était Maxime, Léo, Lucas, Victor, Léo et Léo. Et abandon pour un pilote. Sur ce les amis, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit.